Les machines tournent à plein régime dans cette société. Être, chêne ou châtaignier, rien ne résiste aux scies métalliques. Pour William, la journée est chargée et les appels se multiplient pour commander du bois de chauffage. Ouais, ça serait pour du bois, tu vois. Ouais, ça marche. Alors là, en délai de livraison, c'est pas tout de suite. Non. Je suis après Noël là déjà. Ouais, bah ça va être bon. Avec la hausse du prix de l'énergie, se chauffer au bois est une nouvelle alternative. À 260 euros les 3 stères, la demande explose. On va dire que l'année dernière, j'ai sorti à peu près 3100 stères, quelque chose comme ça. Donc cette année, j'ai décidé de monter à 3500 stères. Et aujourd'hui, je suis l'outil de travail est plein pot. Je ne peux pas faire plus. Beaucoup plus de demandes qu'avant, ça c'est sûr. À peu près 30% de demandes en plus. Comme tous les jours, William effectue ses livraisons à domicile. Depuis le début de l'année, le prix du gaz a augmenté de 57%. Alors, les ventes de poêles à bois ou granulés augmentent et ce professionnel confirme cet engouement. Cette grosse demande aujourd'hui est due à des aides financières. On parle beaucoup de rénovation énergétique. C'est lié aussi à la hausse, bien sûr, des énergies fossiles. Pour compenser cette hausse des prix de l'énergie, l'État a promis un chèque énergie de 100 euros en décembre pour les ménages les plus modestes.